Bonjour, bonsoir tout le monde. C'est votre ami, camarade et frère de Sassou. Je vais vous montrer dans cette vidéo comment ouvrir un fichier APK sur un ordinateur, c'est-à-dire sur un PC. Il y a beaucoup de logiciels qui nous permettent d'ouvrir les APK, mais nous allons choisir Zplay. Comme vous le voyez, Zplay, vous allez tressager à partir de Google Chrome sur votre ordinateur. Ensuite, vous allez installer. Moi, j'ai déjà installé. Voici, c'est elle qui est ouverte comme ça, cette application Zplay. Donc, ça va vous ouvrir une version Android comme un téléphone qui va vous permettre d'installer les applications de téléphone sur votre ordinateur. Vous pouvez télécharger les applications. Voilà. C'est comme un téléphone. Vous pouvez aussi enregistrer des contacts, c'est-à-dire les numéros de téléphone donc que vous allez utiliser sur WhatsApp ou beaucoup d'autres choses. Cette fois-ci, mes contacts, je les ai enregistrés. Voilà, je les ai enregistrés. Voilà, voici, vous pouvez enregistrer beaucoup. Voilà, voici les applications, vous pouvez les télécharger ou vous pouvez les exporter depuis votre ordinateur. Voilà, je vais ouvrir Zander, vous allez voir. Zander, je l'ai déjà installé, donc je vais vous montrer comment installer, comment exporter un fichier depuis votre ordinateur pour amener dans Zplay. Donc, c'est très important, ça permet d'ouvrir les fichiers APK sur votre ordinateur. Voilà, ça sera comme un téléphone, c'est Zplay version Android. Voici Zander, vous pouvez minimiser. Si vous voulez travailler à côté, par exemple, voilà. Et Zplay, voilà, vous pouvez maximiser aussi. Donc, là, voici. On prend le retour, on revient. Voici, c'est WhatsApp. Vous allez voir WhatsApp. Vous pouvez vous connecter. Une fois connecté l'ordinateur, cette application Zplay là sera connectée aussi automatiquement. Vous pouvez faire vos recherches sur ça. C'est comme un téléphone pour ceux qui n'ont jamais vu. Je sais que d'autres vous avez vu. Voilà, voici l'application. C'est WhatsApp comme ça. Et ça va, c'est permis depuis le 20 mars. Voilà, c'est permis. Sinon, ça va ouvrir. Voilà, c'est l'application comme ça. Tout ça là, ce sont des fichiers APK qui ne peuvent pas ouvrir sur l'ordinateur automatiquement, mais grâce à Zplay qui nous permet d'ouvrir les fichiers APK sur l'ordinateur. Voilà, là c'est des, tout ça là c'est des fichiers APK ouvrir sur l'ordinateur. Là, vous pouvez essayer. Une fois connecté votre ordinateur, vous pouvez aller dans Google Chrome et écrire Zplay XEPLER. Vous allez chercher Zplay, vous allez télécharger et installer sur votre ordinateur. Ensuite, vous allez l'ouvrir et commencer à installer les fichiers APK sur votre ordinateur. Vous allez travailler avec sans problème. Très facile à comprendre. Donc, comme on peut maximiser, on peut minimiser aussi. Déplacer à côté. Voilà. Vous voyez, comme vous le voyez, je viens de le faire. Voilà, voici Google Play. Vous pouvez télécharger. Voilà, on peut aussi exporter dans les cas où vous n'avez pas de connexion. Si vous, une fois envoyé les fichiers APK sur votre ordinateur, vous pouvez exporter, c'est-à-dire l'amener dans l'application Zplay. Voilà, ensuite, si vous cliquez sur la petite flèche que vous voyez à côté, donc ça va vous ouvrir une fenêtre. C'est-à-dire votre ordinateur, si vous avez des fichiers APK dans votre disque dur. Donc moi, j'ai des applications APK ici, je vais installer et vous allez voir, je vais chercher Orange et moi, je vais installer Orange et moi, je vais faire un double clic, ensuite ça va installer et ouvrir automatiquement sur mon application Zplay. Voilà, comme vous voyez, ça va installer tout de suite.
Voilà, attendez un peu, ça va prendre quelques secondes. C'est très simple. Voilà, voici Orange et moi, c'est déjà installé. Voilà, c'est installé. Voilà, c'est comme un téléphone, ça permet d'ouvrir les applications applicables sur l'ordinateur. Donc, si une fois une application est installée, que vous allez exporter ou bien installer à partir de Google, ça va ouvrir automatiquement sur votre application Zplay. Voilà, Zplay, c'est une version Android. Donc, tout ce qu'on peut avoir dans les téléphones, on peut l'avoir dans cette application-là. On peut travailler avec des applications de téléphone grâce à ça dans l'ordinateur. Donc, vous pouvez essayer. C'est très simple. Vous allez vous connecter à l'Internet. Ensuite, rentrez dans Google Play et vous allez télécharger d'abord Zplay. Donc, ensuite, vous allez ouvrir et travailler avec des applications APK. Donc, nous sommes arrivés à la fin. On s'est dit à la prochaine vidéo pour vous montrer d'autres choses, Inch'Allah. Je vous remercie.